Hola Sport, bonsoir tout le monde. N'a pas fini pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui est fait dans le sport. Eh bien, pas rater Hola Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil. Bonsoir tout le monde, nous comptons avec vous dans la 5e et dernière sortie Hola Sport pour ce maintenant. Toute équipe Télé Soleil là au grand complet, moi-même Willow Anginor avec coach Natou nous sous plateau, mais c'est une grosse équipe technique qui est là avec nous chaque soir pour nous capable venir informer au sur plan sportif. Bonsoir coach Natou. Bonsoir Willow et bonsoir tout le monde. Nous comptons pour nous là encore. Nous pouvons parler un peu de sport pour Aswea. Nous avons commencé avec tennis côté Naomi Osaka. Elle est éliminée dans le deuxième tour US Open. Naomi connaît et remporté la compétition ça deux fois en 2018 et 2020. Et bien pour Anessa, malheureusement, le Guintan quitte la compétition dans le deuxième tour. C'est Muchova, c'est lui-même qui bat Naomi Osaka en 2-7 à 0. Nous avons vu tout Carlos Alcaraz qui n'est pas arrivé remporter un troisième grand chelem pour Anéa. Puisqu'il était remporté de déjà, eh bien, l'éliminé, c'est Botic néerlandais, c'est lui-même qui mettait d'ailleurs espagnol là, Carlos Alcaraz, dans le deuxième tour US Open. Gagné Medvedev qui arrivait qualifié pour le troisième tour US Open, il bat Fabian, il pral croisé en troisième tour dans la question US Open. Il a vint un calendrier complet pour Medvedev dans US Open. Ça. Et puis en football, matin, il y a un tirage au sort qui fait pour Europa League, n'a pas vu belle affiche qu'a gagné Europa League conférence là tout, il était fait matin, n'a pas tourné sur ça. Et puis n'a pas vu Real Madrid dans troisième journée Liga espagnole là qui concédait un match nul devant équipe Las Palmas là, un goal partout, c'est deuxième faux pas pour équipe Real Madrid là dans commencement Liga espagnole là. N'a fini avec une mauvaise nouvelle. Malheureusement, la caille pas nous. Oui, ancien joueur équipe Racing Club Haïtien et ancien coach adjoint équipe Racing, Joinville Marcel alias Ismaël, li mouri hier soir, c'est mon exam qui pas arrivé identifié qui mettait balle sous l'île dans Delma 3. N'a vini avec plus de détails sur ça. Oui, Marcel qui était gain environ 38 ans. N'a prend pause là, n'a tourné. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un nom de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Quand lire devient plaisir. Quand écouter permet d'assimiler, quand parler scrute l'horizon, quand philosopher élargit l'univers, alors on ouvre une page. Page 25 sur Télé Soleil. Faut parler, apprendre, réfléchir et agir. Messieurs, dans développement Hola Sport pour ce maintenant, c'est dernier paraît nous pour ce maintenant, nous prenons parler en pile tennis dans commencement émission ça. Naomi Osaka quelque temps qui a fait mauvais résultat dans tennis là, finalement l'a éliminé dans deuxième tour US Open là, c'est Tchèque là qui mettait le dehors qui c'est Karolina et Muchova, c'est lui même qui bat Nippo haïtienne là en 2-7 seulement. Et bien Muchova qui pour Kounia fait une sixième victoire yon kolé ak lot dans grand chelem. Malheureusement, coach Natou, Naomi a été éliminé dans la deuxième tour compétition. Bon, ça fait partie du sport. Effectivement, retour lié pour qu'on a révélé le payant pour lui. Et il a essuyé de faire ça pendant qu'il était aspiré à aller bien plus loin dans la compétition. Sous déclaration, il fait connaître que c'est difficile que. Il n'y a pas qu'à juger retour lié à partir du résultat.
li sentil bien nan pol, li sentil la forme physiquement, li sentil assez solide, li pi rapide et le plus forte. Malheureusement, li perdu. Donc, li prend des fêtes ça à cœur et ça mandé li clair pour lui que faut continuer de travailler pour que retrouver niveau de tennis que li espéria et que en pile moun ap tann nan mel. Oui, Naomi Osaka, nous connaissons qui est considérée parmi les plus belles joueuses qui gagnent dans la question tennis, beaucoup de mesdames. Tu as temps, tellement fait de très bons résultats, tu es même numéro 1 mondial. Et nous songez, dans US Open, nous avons remporté deux fois. J'en ai dit dans Titio, 2018-2020. Et puis tout, tu es un champion deux fois dans l'Open d'Australie. Naomi Osaka qui gagne 4 Grand Chelem. Et pendant jour ça, le résultat n'est pas trop bon pour lui. Et nous songez, c'est depuis l'LT gagné. On a discussion dans la question de conférence de presse. Il a posé la question, il n'a pas voulu répondre. Et puis par la suite, il a pris à le faire un petit monde. Ça t'a permis qu'elle prenne une pause pour ne pas jouer au tennis. Et depuis Léa, et Naomi qui baissait en pile dans le classement, beaucoup de mesdames. Et d'ailleurs, elle est environ 88e mondial. Oui, et nous te signalé ça déjà. Tennis, là, qui est pratiquement son sport individuel, surtout par rapport à l'autre discipline, c'est une discipline que automatiquement que ou pas actif, ou pas déclassé. Même dans le sport collectif, ou pas actif, ou pas déclassé. Et pour Osaka, qui pratiquement depuis 2022, je crois, tu es obligé de camper sur les cours, les pattes en compétition. Donc, les automatiques que tu as subi des classements. Ça. Et ce n'est pas des problèmes purement sportifs qui t'ont mené que tu fait choix de camper sous carrière. Li. Et c'est des problèmes extra-sportifs, notamment sous vie personnelle, li, problèmes physiques, tout. Physique, là, il y a un problème avec sport, là, c'est vrai. Mais il y a d'autres problèmes personnels qui menaient que tu es obligé de choisir, font camper sous pratique, là, sous entraînement, li, sous jeu compétition. Malheureusement pour lui, donc, dans le déclassement, ça, il vient actuellement 88e joueur mondial. Et dans US Open, là, il était espéré faire plus belle performance pour être capable pour eux. Et gravit quelques places dans le classement général, dans le classement mondial. Là. Mais je pense que ce n'est que partie remise parce que l'ISO travaille en pile pour arriver là et c'est sûr, l'app continue de travailler. Est-ce que la moto est numéro 1 mondial? C'est l'avenir qui pourra en juger. Mais Naomi après être capable de marquer plusieurs points encore. Oui, après Naomi, il y a un autre belge de tennis qui est éliminé, c'est Carlos Alcaraz, espagnol là, qui a remporté deux grands chelems pendant le commencement et année 2024. Ça, il est éliminé par Néerlandais Botic qui bat lui en 3-7, 6-1, 7-5 et puis 6-4. Mais comme ça tout, et on nous rappelait, il a remporté la compétition ça, c'était en 2022. Malheureusement, Carlos Alcaraz, pas de Kembiran, dans le deuxième tour US Open, il n'est pas arrivé à remporter la compétition ça pour yon l'autre année. Nous parlons de tennis toujours, mais fois ça, n'a pas parlé avec yon l'autre joueur tennis qui joue une fois ça, yon façon pour le qualifier pour troisième tour. C'est Daniil Medvedev, lui-même qui a continué parcours dans US Open, nan, côté li pral affronter Flavio Cobolli dans troisième tour US Open, puisque li te bat dans deuxième tour et nous songeons qu'il te fait finale en deux fois et d'ailleurs te remporté édition 2021. Daniil Medvedev y a prétend yon pile bagay nan men nan res carrière comme joueur kap jou tennis et coach Nato. Effectivement, c'est une grande figure qui est encore là, et d'autant que monsieur a une particularité, il y a 2 ans, je crois, il a fait fameuse déclaration sur conditions climatiques dans US Open. Et voilà que semaine ça même, le monde a fait un pile commentaire, un pile débat, la presse surtout, donc la presse sportive, sur conditions que l'athlète a évolué dans US Open, dans conditions climatiques, niveau de température. Là. Medvedev, c'est le monde qui t'a dit que eh bien, il espérait que gain yon incident produit que yon moun capable mourir sous coup là. Bien sûr, c'est le coup de la colère, de frustration par rapport à salta vivio, mais nous ken moun pas souhaiter que moun mouri, notamment pour un athlète ta mouri sur un cours de compétition. Mais heureusement pour lui là, il est encore en course. Peut-être que étant donné que c'est vrai Alcaraz est tombé,
Mais il y a encore Djokovic, donc nous avons espéré de belles confrontations dans US Open. Mm-hmm. Nous parlons beaucoup de football, c'est à Oso et au Palais de la Ligue matin, coach Natou, un pile bel match qui est programmé. Et si nous regardons dans le nom là, gagné AS Roma qui est de série, et Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, et Frankfurt, Lazio de Rome, Tottenham, Slavia Prague. Et à nous rappeler, c'est 36 clubs, même gens avec Ligue des Champions, qui pourraient le jouer et au Europa League là pour saison ça. Et puis tout, groupe yo a gagné des matchs, même gens, 4 matchs aller, 4 matchs retour, qui donc chaque club pourrait le croiser et alors pourrait le jouer 8 matchs pendant et au Europa League là. C'est même disposition qui prend pour Champions League là et qui est appliqué pour Europa League là tout. Et avec, nous t'a dit, yon chapeau 1, qui n'est pas vraiment tête de série, mm-hmm. c'est chapeau 1, mm-hmm. qui est là dans Manchester United de l'Angleterre, la SWOM, FC Porto, Ajax d'Amsterdam et Rosenberg, et puis Frankfurt, Lazio de Rome, Tottenham, et puis Slavia Prague. Équipe ça pratiquement c'est occupé chapeau 1. Mm-hmm. Ainsi, nous jouons des confrontations qui ont déjà entré et sorti, même j'en le fait pour Champions League. Nous sommes capables de penser à une belle opposition de Manchester United face à FC Porto. FC Porto qui a gagné, qui a coaché le Lens, qui a fait une belle saison dans la Ligue des Champions l'année dernière. Et c'est vrai qu'on sait ça, on n'est plus l'entraîneur de FC Porto, mais opposition déjà promet pour lui intéressant. Et FC Porto tout, qui a pris l'occasion pour lui-même de déplacer pour aller à l'Asie de Rome. Et puis, il y a Olympiakos de la Grèce qui fait belle figure dans la dernière édition qui s'est passée là-haut. Si je ne m'abuse, qui était même remporté. Mm-hmm. Donc, ça promet donc pour de belles oppositions. Et puis l'équipe Ajax Amsterdam, non, c'est que on ne peut pas négliger du tout, vous avez vu son histoire. Mm-hmm. Et l'a bien pour le confronter face à Lazio de Rome et l'a bien Real Sociedad. Même si Galatasaray, qui est une équipe qui est très régulière dans la compétition européenne, nous avons Besiktas qui est assez présent, tout, même s'il n'est pas aussi régulier que Galatasaray, mais c'est des adversaires qui promettent pour qu'il y ait de belles oppositions. C'est vrai, ce n'est pas même chaleur Champions League, mais Europa League, ça que nous voilà, ça promet pour de belles performances. Oui, nous, dans la ligne, à ce moment-là, il y a de très belles matchs. Par exemple, Frankfurt, là, qui peut jouer avec la première journée. Roma cap recevoir Frankfurt et puis à l'extérieur gagne AS Roma cap gagne pour aller en déplacement la caille Tottenham parce que dans la ligne ça nous capable de très bon match pas oublier tout Roma qui pour jouer avec Athletic Club alors Bilbao qui sorti en Espagne. Mm-hmm. C'est sûr opposition yo pas légère du tout pour équipe AS Roma non. Mm-hmm. Et va jouer face à Frankfurt heureusement c'est à domicile mais lorsqu'on connaît la rigueur allemande. Mm-hmm. Et l'équipe allemande, généralement, il n'y a pas à vendre pour eux. Okay? Donc, déplacer Kai Tottenham, qui a fait un regain de santé, et ça explique donc que Roma, certainement, aura fort à faire, surtout si nous considérons que l'équipe italienne, lui, depuis quelque temps, ont des gens en deçà, en dessous de niveau réel que football italien qu'on affichait nous lorsque nous qu'on vive avec Milan AC, Juventus de Turin, Inter et même AS Rome il fait un temps mais comme il a essayé de remonter pendant on souhaitait que ça se passe bien pour l'AS Rome. Oui, malheureusement nous parlons de Séville qui n'a et au Palais Glen connaît Séville c'est parmi club qui contrôle la compétition ça. Oui, ça fait longtemps que Séville est censé être mettre empreinte li sous li. Et notamment, il y a une grande figure que. Nous avons cité entre nous, qui était le pas de Emery. Emery, on a Emery. Mm-hmm. Ok. Mais de toute façon, la compétition est lancée. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous prenons le point de la cantonne, nous tournons avec la conférence Ligue là, puisque nous sommes parlé de l'Europa Ligue là. Comme ça, nous prenons le de Real Madrid qui fait un deuxième faux pas dans la Liga espagnole là. Ils ont concédé un match nul devant l'équipe Las Palmas là. Vinicius fait goal, mais Kylian Mbappé toujours. Pour être capable de faire goal dans la Liga espagnole là et puis Navin Paletto des mauvaises nouvelles ça nous gagne pas Boris de côté malheureusement Joinville Marcel ancien joueur du club haïtien li mouri pas balle n'a porté plus de détails t'aller comme ça.
Hola sport, bonsoir tout le monde. N'a vini pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui fait dans sport. Eh bien, pas rater Hola sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un nom de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Quand lire devient plaisir. Quand écouter permet d'assimiler, quand parler scrute l'horizon, quand philosopher élargit l'univers, alors on ouvre une page. Page 25 sur Télé Soleil. Pour parler, apprendre, réfléchir et agir. Parler conférence league pour qu'on y a coach Nato et nous connaît gagné trois compétitions qui fait en Europe pour club bio et Ligue des Champions, Europa League et puis conférence league. Et pour Ligue des Champions, il a fait pour Anissa avec 36 clubs, même Jean tout l'a fait Nina Europa League et puis et conférence league là. Mais dans conférence league là et pas gagné confrontation entre 8 clubs dans phase ligue là, c'est plutôt et chaque équipe a gagné pour jouer 6 matchs, toi la caillou, toi à l'extérieur. Effectivement, c'est même logique qui lancé pour Champions League là, mm-hmm. qui enchaîné sur Europa League là, sauf que dans Conference League là, gagne moins équipe. Gagne moins confrontation. Chaque alors chapeau 1 mm-hmm. là dans l'an. Il y a gagné 6 oppositions, 6 confrontations, alors que dans l'autre échelle, là, c'est 8 liés. Donc, il y a même gagné 3 matchs à domicile mm-hmm. et puis 3 matchs en déplacement. C'est ainsi que Chelsea l'a gagné pour jouer face à Gent. Panathinaikos, etc. Et puis, Copenhague lui-même gagne Real Betis, Basaksehir, Rapid de Vienne. Dynamo, Minsk, etc. Donc, c'est ainsi que le tableau est présenté. Nous avons un retour de Fiorentina, de l'Italie, et puis Real Betis, qui a là tout dans la compétition. Ça. Oui, des très belles affiches qui a gagné. Si nous sommes dans la ligne équipe Chelsea, qui a dû faire la pli avec bon temps dans l'Europa League Conference par rapport avec l'adversaire. Il t'a donné sur route li et si nous prenons Ademen qui sorti dans pays l'Allemagne Astana gagné et Rovers Panathinaikos c'est pas équipe qui gagne gros nom dans football européen surtout avec Ademen qui récemment là t'est monté dans Bundesliga dans première division en Allemagne pas gagne trop gros en face pour équipe Chelsea faut que nous on tient gens prudents quand même et pour compétition ça parce que nous vivons le passage de Liverpool dans Europa League là. Et automatiquement, on m'a dit que la grosse armada ça est normalement supposé remporter Europa League là. Cependant, il n'y a pas même dans la carré finale là. Donc, il faut être prudent, mais c'est sûr, avec la refonte ça que Chelsea est censé faire, nouvelle version, la touche de Maresca, les nouveaux joueurs, nouveaux projets. C'est fort possible que Yoka fait un bel parcours, d'autant que l'adversaire n'a pas trop de renom, parce que ça, en termes de passé dans l'histoire football européen. Mm-hmm.
Nous pourrons parler de quelques matchs forts qui ont gagné pour le week-end, mais avant ça, nous pourrons parler de Real Madrid qui était bouclé. Troisième journée de Liga Espagnole, pendant la semaine, il a joué. Et gagné Moleiro, c'est qui a fait le premier goal dans le match football ça pour l'équipe Las Palmas, là, alors que Real Madrid a égalisé avec Vinicius Junior sous penalty dans la 69e minute de jeu. Équipe Real là qui, sur un troisième match, coach Natou, et qui fait deux matchs nuls. Ça nous a dit. En pile débat. En pile par en pile, parce que c'est le Real Madrid quand même. Mais le problème, non, c'est parce que il y a une possibilité que l'équipe est capable de gagner Mathieu. Mais il y a quelque chose qui bloque le passage. Et notamment, on considère les dimensions acquisition qui fait, notamment sous Bapea. Donc, ça a alimenté encore plus par en pile. Mais dans une certaine mesure, il y a des gens qui m'ont estimé que Mbappé constituait un blocage pour démarrage Real Madrid pour saison. Hein. Mais je vais mettre petit patience. Qui j'en pourra le solutionner, moi pas gain réponse dans Kounia là. Mais c'est sûr, le monsieur, il a la clé. Il a privé le résultat. Si oui, il faut un petit zoom pour nous sur l'écran qui est de nous. N'après Carlo fait un changement hier dans 11 qui commence hier. Brahim na place Rodrigo. Est-ce que ça t'a dit si Mbappé pas ba résultat puis devant ou ka gagne changement ça tout dans l'équipe là? Brahim Diaz dans dernier match dans deuxième journée hein, il est entré en match, il a scoré et il était passeur décisif. Dans petit bout de temps là, monsieur était très important pour Real. Donc c'est logique que coach l'a envisagé pour que tu as récompensé si nous étions dans la ligne traditionnelle de gestion d'équipe. Cependant, on a information qu'il n'a pas gagné tout. Est-ce que Rodrigo pas dans une situation de malaise qui fait qu'il est obligé de pas commencer le match là avec lui et utiliser Brahim Diaz? Avantage pour Brahim Diaz, c'est que ça vient conforter beaucoup plus dans la possibilité que les joueurs ont un rôle important en effectif Real là. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir effectivement détrôner Mbappé? Nous pas réponse en Kounia parce que gen pile moun ki gen souhait qui clairement établi et souhait que Mbappé c'est de jouer dans couloir là, Vinicius a joué l'autre position, souhait ou que Vinicius toujours dans position là, Mbappé démêler lui-même soit pour jouer comme neuf là ou bien chercher l'autre place et souhait ou que Rodrigo toujours présent ou bien jouer dans position 9 là. De toute façon, amalgame non, c'est staff technique là, c'est Ancelotti quand même qui a venu avec solution. Coach Nato, quand il est fanatique. Mais a remarqué, Modric tout, starter dans le match ça. Mais par rapport avec blessure de Bellingham ou bien Kamavinga pas disponible là. Oui, mais pas oublier Ceballos, c'est un milieu de terrain. Monsieur Pigeon, et il n'est pas un mauvais, mais son joueur très utile lié. Même s'il y a une rumeur qui t'a fait comprendre qu'il est sur le départ. Et dans la logique départ, ça, s'il lui est fait Real, qui était selon Ancelotti, pas de recruter, Real pas obligé d'envisager un recrutement quand même, parce qu'il va falloir le remplacer. Et il était capable de choisir des stats donc avec Ceballos et puis Modric était arrêté pour entrer en cours de match mais il a choisi de démarrer avec Modric comme Mekato a fini de Messi DV on nous espérer que Ceballos pas aller parce que imagine que tu as gagné 2000 terrain blessé pendant la saison pas gagné 10 n'en reste l'autre joueur Kalo gagné à la disposition Lyos pas gagné 10 ça va passer dans la saison mais Ceballos était qu'il y a en attendant que Ovani pas oublier Real pas acheter 1000 terrain pendant la saison ça. c'est sûr la, encore très utile mais s'il y a quitté l'allée parce que il y a des cas où incontournables il y a des points de non retour qu'on arrive dans cette gestion si il pas arrivé dans point ça que il pas capable pas quitter l'allée c'est parce que quand même tout il y a un temps préparé pour faire un remplacement n'a faut tourner tout petit avec trident offensif Real Madrid là qui souvent mon yo plein yo et l'équipe là FC pile sous pile tellement joué au penché sur couloir gauche là en parlant de Mbappé Vinicius ou encore Rodrigo des fois tout qui connait décalé à gauche gen moun qui comprend Pep Guardiola comme un coach qui capable faire quelle que soit façon jouer à kon jouer à
di capable faire jouer et jouer ensemble. Tant que par exemple, nous sommes était en époque Dybala avec Messi, yo te kon di des joueurs ça pas compatible, mais il y a monde qui dit si c'était Pep Guardiola qui t'a faire jouer ensemble. Ou pensez si Guardiola était dans tête Real, il t'a une formule quand même pour permettre ni Vinicius, ni Mbappé, ni Rodrigo ba résultat? Certainement. Mm-hmm. Mais est-ce que Guardiola a dans tête Real? Pas quoi ça. En fait, raison fondamentale là. C'est peut-être par le fait que c'est pas une raison sportive. Mm-hmm. Et Guardiola c'est un Catalan et la Catalogne n'a un cheminement vers son indépendance. Est-ce que d'après les faits nous pas qu'on est? Mm-hmm. Donc tout le monde qui réclamait de étiquette catalan ça, les madrilènes, mm-hmm. y a pas trop de films comme ça. C'est son énorme illusion comme mm-hmm. on d'avancer que Guardiola d'avoir coaché l'équipe ça. Oui. Quand nous allons parler de quelques matchs qui a joué pendant le week-end, pendant nous t'as parlé d'équipe Real Madrid là, et pour nous dire gagner en Espagne, Barcelone qui a joué contre Valladolid demain samedi à 11h, et puis à 1h gagner Bilbao qui a joué contre AT Madrid, et Valence 3h30 demain samedi contre Villarreal, et puis dans dimanche gagner Real Madrid qui a joué contre équipe Betis Sevilla. Match football ça programmé pour dimanche 1er septembre et à 3h30 dans l'après-midi à Loski en Angleterre. A bien plaisir match coach Nato côté match Valence, c'est United qui a reçu Liverpool dimanche. Effectivement, troisième journée hein, sur les 38 pour la saison, la démarrer demain si je veux. Et demain samedi hein. Mm-hmm. et dimanche a gagné seulement 3 matchs. Et match qui paraît plus tapé dans l'œil, c'est à Leicester face à Aston Villa. Mm-hmm. Gain Arsenal de Mikel Arteta qui a gain pour le recevoir Brighton de Fabian Hoseler. Et Hoseler a une particularité que non seulement a remplacé De Zerbi, mais que c'est plus jeune entraîneur dans toute histoire Premier League. Là. Mm-hmm. Il n'a que 31 ans d'âge. Et gain West Ham United qui gain pour recevoir Manchester City. Et Chelsea a recevoir Crystal Palace. Manchester United, c'est assez choc journée, hein, a bien pour jouer lui-même face à Liverpool. Et Manchester United qui a cherché points, mm-hmm. qui a cherché jouer une stabilité dans toute léthargie qu'il a traversée depuis plusieurs temps là. Et coach Lito, Ten Hag, qui certainement a pression sur lui. Mm-hmm. Et puis Liverpool avec bon départ hein, de Arne Slot, malgré absence, malgré départ de club là de Jürgen Klopp. Arne Slot censé bien démarrer là, Liverpool bien pour le confirmer. La CA United et United tout mm-hmm. remet gros opposition yo, donc ça promet donc pour que ce soit une belle opposition. Et enfin une capacité de Newcastle qui gagne lui-même pour recevoir équipe Tottenham là, Tottenham mm-hmm. qui voulait montrer une belle figure là mm-hmm. Avec un nouveau départ là pour nouvelle saison. Oui, c'est une très belle affiche qui peut gagner tout cas avec Tottenham, mais si nous avons parlé tout sur United contre l'équipe Liverpool, là, c'est pour dimanche matin. Et c'est un très bel match, et surtout avec Eric Ten Hag qui ne pensait pas renouveler le contrat, mais finalement, le dirigeant club l'a fait confiance encore une fois, il a prolongé le contrat, et mettez sous ça, et gagner coach équipe Liverpool là, Hans Lott, qui on a souvent parlé de l'IA, qui vient remplacer Jürgen Klopp, et l'a remplacé Klopp dans l'équipe. Ou pas capable bailler n'importe résultat, pas oublier club pour équipe là non niveau, et le mettre là. C'est même gens tout pour n'importe l'autre entraîneur qui prend City après Pep Guardiola ou pour qui travaille dans maison San Carton souterrain entre Liverpool avec United pour 10 matchs. Il y a une très très belle opposition, un très bel match déjà tous deux équipes ont les mêmes couleurs, c'est le rouge et qui gagne blanc la dalle mais Liverpool pour l'objet utiliser couleur de réserve les. Mm-hmm. Et moi, presque sûr que Eric Ten Hag va utiliser même formule providentielle liant qui c'est 4-2-3-1. Étant donné que Casemiro paraît en jambes, il est très possible que Casemiro prenne le start dans le milieu de terrain mm-hmm. avec Maino, un petit jeune anglais qui a un pile potentiel, qui promet en pile. Et puis, il y aura quand même Bruno Fernandes pour animation offensive là. Et puis il y a un nouveau 9 attaquants qui attaque ce voilà qui était scoré pour eux-mêmes dans la première journée hein, son nom m'échappe mm-hmm. et il est possible que monsieur capable start dans pointe là et puis Liverpool lui-même c'est la continuité et même animation
en pile concentration, en pile une bonne organisation défensive et puis une transition offensive qui est très très fragile. Et puis pas oublier que Salah est encore présent, Luis Diaz est encore là, donc Salah décalé un petit classe plus à droite et puis Luis Diaz à gauche, n'importe monde qui l'a comme pointe là, oui. Eh bien l'efficacité est très présente pour cette équipe. Donc tous deux équipes ont besoin confirmé et Slot continuité li par rapport à en termes de saison là et Ten Hag lui-même et fait point face à Liverpool qui parle très très bon pour le moral, mais tout pas oublier que il a déjà perdu point dans la compétition. Dans la première journée, il a perdu point. Donc, c'est l'occasion pour lui rester collé avec Manchester City, Arsenal et l'autre équipe qui est déjà censée, dans la logique, de faire le plein dans le début de saison. Donc, ça promet pour que ce soit une très belle opposition. Si on regarde les lignes offensives, l'équipe Liverpool, là, qui peut aller là-dedans chez ça, qui peut être un renfort en plus. Je vous parle à la Mbassé Liverpool capable de bailler un pile la retode avec top 5 ou bien top 6 dans la première ligue là pour saison. Liverpool doué et top 3 pour pas dire top 2. Les doué ça. Maintenant, et profil là, projet à sous papier à Seyoun, déroulement saison après le confirmer possibilité parce que il y a toujours les aléas, des bagages que ou pas maîtriser et ça est capable de déranger en pile projet. On a fini avec Ola Sport avec une mauvaise nouvelle. C'est un ancien joueur de Racing Club haïtien, c'est coach adjoint équipe la même. Et pendant jour ça, c'est Marcel Joinville-Ma qui travaille avec un pile timon dans le centre sportif d'Adadou, dans Delma 3. Et bien, nouvelle rapportée hier soir, Marcel Joinville-Ma il recevait plusieurs balles. Et dans le même monde, il n'est pas arrivé à identifier. Information fait qu'on est que il était essayé et rentrer la Kaili, il semblait avoir fait tête raide. Et bien, sortant de Marcel qui recevait plusieurs cartouches et Marcel qui c'était joueur Racing, coach Natou, très bon joueur, très technique, très appliqué. Il participait dans la formation plusieurs joueurs et qui a monté en force dans le championnat. On belge football que me dégain un privilège pour moi à jouer d'autant que j'ai été arbitre de football, arbitre national et moi j'ai sifflé plusieurs matchs que Joinville-Ma a joué. C'est un bel gaucher qui jouait bien comme arrière latéral gauche, alors, qui jouait bien comme arrière latéral gauche et même demi gauche. Et c'est sûr, Racing, le club haïtien, a gagné un bel souvenir de monsieur. Dommage, malheureusement, que c'est dans la condition ça, un jeune garçon quand même, parce que moins que 40 ans d'âge, et monsieur obligé de quitter le monde ça. Et c'est sûr que mon. Juvenal dans Pétionville, particulièrement, il y a songé Ismaël, parce que c'était son surnom. C'est son nom, ça en pile, on était plus qu'on elle. Même moi-même, l'homme d'a dirigé match, je tellement été habitué avec Ismaël là, que l'homme Joinville m'a demandé, mais Ismaël était souterrain à côté. Ouais. Mais c'est son monde respectueux, extrêmement sage, dans tout ça qu'on a rencontré. Et c'est regrettable qu'il ne soit plus de notre monde. Et que désormais la terre lui soit légère. Malheureusement, nous perdons Marcel Joinville-Ma, tout le monde connaît son nom Ismaël, qui mourit avec balle, moun pas arrivé identifié. Merci tout le monde qui t'a suivi, dernier paraître au Las Pobos maintenant. Merci en pile avec toute équipe technique Télé Soleil, là, je vais citer non pour ne pas oublier. Merci tout avec Père Claudie Duclerville qui est toujours coordonné au Las Pobos pour permettre l'émission ça. Libye fait. Merci avec Coach Nato pendant toute semaine là, qui était analysé, commenté toute actualité sportive là avec nous. Bon week-end tout le monde, bon week-end Coach Nato. Bon week-end, Willor, et bonsoir tout le monde. Bon week-end. Hola Sport, bonsoir tout le monde. N'a pas fini pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui est fait dans le sport. Eh bien, paratez au Las Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil.